Il y a 5 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire avec les enfants et pourtant on les commet. À ton avis, c'est quoi? Alors déjà, leur laisser goûter le planteur de tata. Non. Les laisser jouer avec le set de couteaux de cuisine. Non. Et bah tant mieux, parce que je commençais à me sentir coupable. La première... Règle du Fight Club. Non. La première erreur, c'est de ne pas les écouter. Ça conduit à ce qu'à l'adolescence, finalement, ils s'enferment dans leur chambre et après, ils ne nous parlent plus. Mais attends, mais moi, je l'écoute, hein. Je suis à fond quand elle me parle. Donc ça m'arrange pas, ce truc-là. Parce que ça veut dire qu'à l'adolescence, elle va venir me raconter ses problèmes. Alors que c'est pas du tout ce que j'avais prévu, hein. Moi, j'avais prévu de jouer toute la journée à la PS8, d'être enfin tranquille. Gros gamin. La deuxième erreur, c'est de sanctionner l'enfant à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal. Donc la prochaine fois qu'elle essaie d'enfermer ton chat dans le frigo, je lui dis rien. Mais non, pour un truc comme ça, évidemment, tu lui dis pourquoi elle a agi comme ça et qu'il faut pas le refaire. D'accord, donc je lui dis qu'il faut pas le refaire parce que ça laisse des poils dans le frigo. Oh, tu me fatigues. 3, quand l'enfant a du mal à faire quelque chose, faut éviter de le faire pour lui. Faut prendre le temps, faut être patient, faut l'essayer, faut expliquer. Donc le matin, quand on est hyper en retard et qu'elle met 20 minutes à mettre ses chaussures, j'attends. Oui, t'anticipes. Tu prends un petit peu de temps avant pour lui mettre les chaussures. La surprotection, ça rend immature. N'importe quoi. Rappelle-moi à quel âge t'es partie de chez ta mère. Ouais, voilà. 4. Surtout ne pas façonner l'enfant à son image. Mais regarde pas, j'ai pas de vanne. Ma fille, elle est plus évoluée que moi à son âge. Non mais tu rigoles ou quoi? T'as pas dû comprendre. Notre fille, elle a 3 ans, elle est déjà fan de Batman. Ouais, et de la Reine des Neiges. Donc rien à voir avec moi, elle fait ses propres choix. Non, la Reine des Neiges, il y a la pub, les enfants ils en parlent, c'est normal. Mais Batman, ça vient d'où Batman? Ben je sais, c'est peut-être dans les gènes. Je lui ai transmis mon amour de Batman. C'est ça. Ah non, je sais. Un soir de pleine lune, elle regardait peut-être par la fenêtre et elle a vu le bat-signal sur la lune et hop, déclic. Le bat quoi? Non, laisse tomber. Tu connais Poison Ivy? 5. Il ne faut pas comparer son enfant aux autres. Ok, pourquoi? Pour ne pas créer un sentiment d'infériorité. Ah mais y a pas de problème, hein. Moi je la compare positivement aux autres. Par exemple, la dernière fois on arrive au centre de loisirs, il y avait un gamin avec le téléphone de sa mère, il regardait un concours de bras de fer. 4 ans il avait le gamin. J'ai croisé son regard, j'ai vu le vide dans ses yeux. Donc t'inquiète pas, hein, je lui ai dit, écoute ma chérie, si tu regardes les écrans comme lui, tu vas devenir débile. Attends, t'es en train de dire à notre fille que les autres enfants sont débiles? Mais non. Mais si. Et y a pas écrit qu'il fallait arrêter de leur lire des histoires flippantes aux gamins? Non. Parce qu'avant de leur lire les 3 petits halouf ou le petit chaperon rouge, ils ont pas peur des loups, hein. Non, ni des renards. Ouais. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'on peut la rassurer facilement en lui disant que les loups et les renards, ils habitent très très loin. Mais d'ailleurs, nous, on habite en ville. Comment ils font à la campagne? Ils vivent là où il y a des renards et des loups. Ah ouais. Ne t'inquiète pas, ma chérie, le renard ne peut pas rentrer. Il restera derrière la fenêtre. Bon, c'est vrai qu'il est un peu insistant, du coup, bonne nuit et surtout bonne chance. Je t'ai mis un fusil de papa sous le lit. Mais chaque parent a son propre combat, quoi. En fait, on essaie de pas reproduire les erreurs de nos parents, mais du coup, on en commet d'autres, des nouvelles. Mais comme toi, quand tu fais le fantôme avec les yeux révulsés. Bah, ça l'a fait marrer. N'importe quoi. Arrête. Arrête tout de suite. C'est comme le matin quand tu veux pas la réveiller, là. C'est pas parce que toi, quand on te réveille, tu te transformes en démon, que pour ta gamine, c'est pareil. Moi, je me transforme en démon? Bien sûr. Je me souviendrai toujours la première fois que je suis allée chez ta cousine et que tu t'es endormie dans le canapé, elle est revenue de la cuisine et elle a fait oh, « Fred, tu l'as laissé s'endormir !» On aurait dit une scène de Gremlins. « Vous l'avez donné à manger après minuit !» J'ai un souvenir un petit peu traumatisant, moi, d'un Noël où mon père décharge des cadeaux de sa voiture pour les planquer dans la cave de mes grands-parents. Alors que je suis là, hein, comme si j'étais aveugle ou juste bête. Donc, première erreur des parents, prendre leur enfant pour un con. Non, mais aucun effort. Nous, pendant une partie de cache-cache avec mon frère, j'ai trouvé les cadeaux sous le lit de la chambre d'amis. Parce que j'allais me cacher sous le lit. Donc, soit ils nous prenaient pour des imbéciles, soit ils se disaient, on va mal les cacher, comme ça ils vont les trouver, ils croiront plus au Père Noël et on n'aura pas à leur annoncer. Donc, les parents seraient machiavéliques. Non. Non. Non, non. Je crois qu'ils nous prenaient vraiment pour des cons. Mm. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va lui répondre le jour où elle nous demande si le Père Noël il existe? Eh ben, je vais lui dire qu'il existe et qu'il s'appelle Jeff Bezos. Et il fait fabriquer tous les cadeaux par les petits lutins aux yeux bridés qui font ça quasiment gratuitement. Hein. Voilà, Amazon commerce équitable. Oh là là, mais t'es horrible! Et qu'est-ce qu'on lui dit si elle réclame un petit frère ou une petite sœur? Non mais attends, moi je ferai un deuxième enfant le jour où elle arrêtera d'avoir une gêne avec ses coutures de chaussettes et qu'il faut enlever et retirer les chaussures 8 fois avant qu'elle veuille bien les mettre. Et je ferai un deuxième enfant le jour où elle arrêtera de se barrer à poil dans le salon
pour pouvoir enfin mettre une culotte. Et encore, la culotte, elle l'a mis sur la tête. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les parents de familles nombreuses. Oh, non mais... Et tu vois, si on avait une web-série, je crois que je leur dédicacerais la saison. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous aide beaucoup à avoir de la visibilité. On a également une page YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Et si vous y êtes, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification quand une nouvelle vidéo sort. Si vous avez Instagram, on a aussi un compte où on partage notre vie avec notre petite fille. On fait des petits week-ends, des voyages, des activités manuelles. Donc laissez-nous un commentaire et puis du coup, on vous répondra toujours avec plaisir. Suivez-nous! À bientôt. Salut. 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 Hey. Salut. Ça va? Ah. Hey. Et toi, ça va? Ouais, alors, tranquille, super. Bah, alors les vacances, bon. Cool. Ce confinement, alors génial.